On se croirait presque devant comment ça s'appelle? Devant une introduction de Battlefield. C'est quand même un truc bizarre. Hein. Enfin bon, allez, il faut que ça commence. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Chaque fois que je touche, j'essaierai de couper le micro. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos. Bienvenue pour une présentation. Une présentation de NBA 2K16. Un petit test assez rapide, je pense. Puisque, comme vous pouvez le savoir, tais-toi s'il te plaît, ma grande. J'ai envie de vous faire ce test-là, parce que comme vous le savez, moi je suis un gros fan de basketball, en particulier les jeux de basket, bien que je... En général, c'est rare que je les achète tous les ans, même si là, dernièrement, les NBA 2K font partie des jeux que j'achète de façon annuelle. J'avais de grosses réticences pour ce NBA 2K16, pour la simple et bonne raison que le 15 m'avait un tant soit peu déçu, vraiment déçu, pour plusieurs raisons. Enfin, si jamais vous voulez aller voir, ce que j'en pense, j'ai fait une vidéo test dessus. Donc là, on va faire à peu près la même chose pour ce NBA 2K16. Et donc, qu'est-ce que j'en pense au final? Il y a du mieux, il y a vraiment du mieux. Mais c'est pas encore la copie, vraiment la très bonne copie parfaite. Hein. Il y a quand même pas mal de soucis. Alors bien sûr, comme dans ma review de NBA 2K15, on ne va pas s'attarder sur les quelques options que nous propose ce jeu. Comme par exemple Mon MJ ou Pro AM 2K qui en général, ça ce sont des choses concernant le multijoueur. Mais souvenez-vous d'un truc. L'introduction que vous avez vue, la tête du mec complètement random, vous savez, qui on va dire... Enfin, ça, je vous le dirai peut-être un petit peu plus tard, mais souvenez-vous de la tête du héros, entre guillemets, de l'introduction. On va aller dans ma carrière vite fait, on va charger mon joueur. Au final... Il y a quand même plus d'aspects positifs dans ce NBA 2K16 qu'il y en avait dans NBA 2K15. Ils ont quand même pris le temps d'améliorer certaines choses, notamment le point le plus important du jeu qui est bien sûr son gameplay. Alors que là, comme vous pouvez le voir, c'est un des points entre guillemets, j'allais dire négatif, mais pas tant que ça, parce qu'au final, ils essayent de coller à la réalité, entre guillemets. Pour ceux qui ne regardent pas les émissions de basket, c'est un petit peu normal, parce que bah, ça passe ultra tard, hein, entre 23h, je crois, le plus tôt, et 4h du matin, le plus tard, évidemment, vu que c'est aux États-Unis. Il y a cette espèce de petite émission que vous êtes en train de voir, avec exactement les mêmes personnes. Bon, moi... Le seul personnage que je me souviens, comme vous pouvez voir, c'est celui qui parle actuellement, c'est évidemment Shaquille O'Neal. C'est une émission qui existe en vrai. Et donc c'est quelque chose de plutôt sympa, mais qui en soi ne sert pas vraiment à grand chose. Et il manque quelque chose d'ailleurs, des sous-titres. Des sous-titres les mecs. Il y avait des sous-titres dans toutes les cinématiques que vous avez présentées pour le mode carrière. C'est quand même un peu con de ne pas en avoir mis. Non seulement pour ces espèces de petites émissions là, donc du coup ça perd grandement en intérêt, mais également pour les, par exemple pour les interviews de mi-temps, pour les interviews de temps mort, je veux dire, quand il y a la entre guillemets la journaliste qui va pour interviewer, que ce soit le coach ou un joueur à la fin du match ou alors pendant la mi-temps, ce n'est pas sous-titré. Et ça c'est vraiment con quoi, je veux dire c'est vraiment con que ce ne soit pas sous-titré. C'est d'autant plus incompréhensible parce que si jamais, comme dans NBA 2K 11, 12, 13, 14 et 15, à la fin de certains matchs, chose qui a quand même été améliorée, c'est que là, cette fois-ci, la conférence de presse, il n'y en a pas une à chaque match. Et ça, mine de rien, c'est une bonne chose. Je veux dire, la conférence de presse, elle est sous-titrée, elle est traduite. Donc c'est un peu dommage, quoi. On aurait apprécié un petit peu plus d'efforts, quoi, à ce niveau-là.
Mais bon, commençons, appuyons sur A. On va commencer un match directement parce que moi j'en avais. Je m'étais arrêté. J'avais sauvegardé à ce match-là. Donc, quels sont les points positifs déjà de ce NBA 2K16? Eh bien, en premier lieu, le gameplay, comme je vous l'ai dit. A l'inverse, je vais me permettre une petite quenelle évidemment. A l'inverse de FIFA 16 qui est devenu super lourd et super chiant à jouer, de mon point de vue bien sûr, NBA 2K16, au contraire, ils ont réussi à se rapprocher de la réalité le plus possible, tout en n'oubliant pas que cela reste un jeu vidéo et que cela doit quand même être fun avant tout. C'est ce que fait très bien ce NBA 2K16, en rajoutant un petit peu plus de logique par exemple dans les règles, un petit peu plus de rigueur dans le respect, que ce soit par exemple des 3 secondes dans la raquette ou de ce genre de règles, notamment les blocs que font les joueurs sur d'autres défenseurs sont beaucoup plus respectés. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, si vous voulez, dans les anciens NBA 2K, on pouvait faire un bloc un petit peu n'importe comment. En général, le joueur faisait le bloc et ça s'arrêtait là. Cependant, ça omettait une règle assez importante du basket. C'est tout simplement les blocs illégaux. Et les blocs illégaux existaient quasiment pas, si vous voulez, dans les anciens NBA 2K. Du moins, ils existaient, mais ils n'étaient pas vraiment respectés, si vous voulez. Ça faisait une faute, mais une fois de temps en temps. En général, c'était pour te faire chier, c'était pour le hasard le plus total. Là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus réaliste. À savoir, si vous voulez poser un bloc sur un défenseur, il ne faut pas bouger. Car c'est cela la règle du bloc dans le basket. Vous pouvez faire un bloc sur un joueur, cependant vous ne devez pas bouger. Si jamais votre personnage bouge, vous faites ce que l'on appelle un bloc illégal. Donc ça fait partie des petits détails qui ont été rajoutés. En ce qui concerne le gameplay, bah écoutez, encore une fois, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus lucide, beaucoup plus agréable à jouer. Cependant, il y a quand même quelque chose de mauvais, comme vous pouvez le voir. Il y a quelque chose aussi qui me dérange, c'est le public. Alors, le public n'est pas mauvais en soi, il n'est pas mal fait, même si ça m'a grandement étonné de voir du popping de texture sur le public. Eh ouais, quand même, faut pas... Je me dis what the fuck, quoi. Quelquefois, on a du popping de texture sur les gars du public. Chose qui est assez choquante pour le coup. Oh putain, il a pas mis celle-là, fumier. Mais hormis cela, il y a peu de points négatifs que je peux reprocher au gameplay, encore une fois. Les animations sont plutôt pas mal, ça a été bien fait. Le jeu est beaucoup plus... Beaucoup plus réaliste, encore une fois. Si jamais notre joueur, par exemple, possède une force supérieure au joueur qui est en face de nous, qui est en train de défendre sur nous, si jamais on veut essayer de forcer et de passer, on peut le faire, et cette fois on a des chances de réussir, non pas comme dans les anciens, encore une fois, NBA 2K, où là cette fois-ci notre joueur il arrêtait pas de se coller comme une sangsue au défenseur et on ne pouvait pas s'en dépêtrer. Ça arrive de temps en temps dans ce NBA 2K16, mais c'est encore une fois beaucoup plus c'est mieux travaillé, voilà. Donc on peut tenter des actions où l'on peut percer et ce genre de choses. Pareil pour les rebonds, par exemple. Les rebonds qui étaient assez infernaux à faire dans NBA 2K 11, 12 ou 13. Là, cette fois-ci, les rebonds sont beaucoup plus... J'arrive pas à trouver le mot, mais on arrive beaucoup mieux à les faire, si vous voulez. Et ça, c'est quand même un petit peu plus, encore une fois, fun. Surtout quand on a un joueur qui est plutôt grand. Comme vous pouvez le voir, moi, mon joueur, il fait, je crois, 2m02. Il va être forcément avantagé sur certains rebonds par rapport à certains joueurs. Plutôt que comme... Euh,
plutôt que comme les anciens NBA 2K où t'avais même un tout petit joueur d'1m60 qui pouvait te grimper dessus pour récupérer le rebond, chose qui n'avait complètement aucun sens. Là cette fois-ci c'est beaucoup plus loyal, j'ai envie de dire, voilà. Cependant, ce NBA 2K16 est entaché d'un petit problème, mais un petit problème qui peut parfois être très rageant et très agaçant, c'est tout simplement l'IA. Alors c'est bien, les développeurs de ce jeu, les développeurs de 2K Games, vous avez amélioré le gameplay, c'est très bien. L'amélioration pour ce qui est du public, c'est pas trop mal. À certains moments, on peut voir le public réagir avec les sons, avec les différents sons du stade, comme notamment quand les joueurs font defend, on peut voir les personnages du public genre taper des pieds, taper des mains en rythme, chose qui est plutôt sympa, ça augmente l'immersion de la chose. Cependant, encore une fois, le problème de l'IA est toujours présent. Et quel est ce problème ? Eh bien, c'est simple. Autant l'IA des adversaires est en général vraiment bonne, je veux dire, elle prend toujours les bons choix, elle arrive à percer les défenses assez facilement, là est le problème. Mais l'IA de nos coéquipiers est très souvent à la ramasse. Vraiment très souvent à la ramasse. On se retrouve des fois avec des joueurs qui ne veulent pas lâcher le ballon, qui sont comme ça, tu vois, ils ont pas envie de lâcher la balle, donc tu vas les voir garder le ballon pendant les 24 secondes jusqu'à la dernière seconde où là, comme par hasard, il va te donner la balle pour te donner un tir complètement impossible à réaliser. La transition, encore une fois, comme ce que vous venez de voir là, la transition des défenseurs ne se fait pas. Il y a une très mauvaise entente dans l'équipe, et ça, malheureusement, j'ai beau faire ce que je peux pour l'améliorer, ça n'améliore pas grand chose. Alors, foiré, m'a piqué le ballon, putain, connard là. Et redonne-moi le rebond et on repart. Et tiens, toi, c'est magnifique. Oh putain, fallait sauter, leur monter dessus, bordel. T'es un basketteur ou une danseuse? Allez, tiens, démerde-toi. Voilà. Ils peuvent également faire des shoots vraiment n'importe comment, je veux dire. Et ils ne suivent pas, s'il y a une subtilité dans ce NBA 2K16, qui était, je crois, déjà présente dans les anciens NBA 2K, c'est les directives du coach. À certains moments, on va avoir des ordres, entre guillemets, donnés par notre entraîneur pour pouvoir mieux progresser. Ça peut être des ordres défensifs, comme notamment protéger la raquette, empêcher tout tir à 3 points, etc., etc. Comme ça peut être également des conseils offensifs, prendre le temps pour soi, tenter des tirs lucides, et ce genre de choses. Ça, c'est pour vous, mais le problème, c'est que l'ordinateur, lui, ne suit pas du tout ces directives. C'est-à-dire que si jamais le coach, en général, les trois quarts du temps, c'est comme ça que ça se passe, le coach va vous demander de prendre du temps, de prendre du temps en attaque, de poser le jeu. Vous, c'est ce que vous allez essayer de faire. Cependant, vos coéquipiers n'en ont strictement rien à foutre. Eux, ils vont tenter de tirer, en général, le plus vite possible dans ces cas-là. Donc ça, c'est, encore une fois, un petit peu chiant. Normalement, c'est dans ces phases-là, en général, quand il y a des temps morts, que l'ordre du coach apparaît, mais apparemment, là, il a pas envie. Bah écoute, tu vas essayer de me passer ça, s'il te plaît. Voilà, merci. Bon, un peu de kawa, ouais. Voilà. Mais c'est, pour ma part, le plus gros défaut de ce NBA 2K16, l'IA. L'IA de nos coéquipiers est complètement stupide à certains moments, si ce n'est aux trois quarts du temps. Et malheureusement, ça peut vous amener à prendre des points de façon mais vraiment très très facile. Et il n'y a rien de plus frustrant de voir ça. Comme je sais pas, regardez par exemple ici, lui il prend ce tir, c'est très bien. Cependant, si jamais il y avait deux joueurs par exemple devant lui et qu'il était persuadé de ne pas réussir le tir, il allait le prendre quand même. Et ça, c'est encore une fois un gros souci.
Regardez la transition. Essayez de regarder la transition d'attaque. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, même si là, encore une fois, on ne l'a pas vraiment vu. Je vais essayer de montrer ça dans la prochaine... au moment où l'adversaire va attaquer. J'ai essayé de vous montrer ça. Si jamais ils prennent leur temps, parce que là, apparemment, ils sont en contre-attaque, c'est fumier. Mais regardez, moi, l'ordi me demande de défendre sur ce joueur là-bas. Donc on est d'accord. Si jamais la balle va revenir de mon côté, vous allez voir qu'un de mes joueurs... Regardez, il y a un joueur qui est complètement tout seul. Il n'y a aucun suivi. Et ça, c'est complètement horrible parce que l'adversaire, lui, fait ces transitions-là. Il fait ses suivis. Il sait très bien comment faire des petites combinaisons. Ça, l'ordinateur le fait très bien. Mais pour les adversaires, il ne le fait pas du tout pour les coéquipiers. Et ça, encore une fois, c'est horrible. Tout simplement horrible. On a aussi quelquefois ces petits problèmes de script. Genre, si jamais l'ordinateur a décidé que vous allez perdre un match, vous pourrez tenter tout ce que vous voudrez. Vous ne pourrez pas gagner le match. Soit parce que vos adversaires vont complètement louper absolument tous vos tirs. Ou alors parce que votre joueur également va rater tous ses tirs. Même si jamais vous utilisez, par exemple, si jamais votre personnage est ultra fort en 3 points, tu le rateras. Tu rateras même les 3 points les plus faciles. Genre, il n'y a personne autour de toi dans un rayon de 3 mètres. Tu peux tenter ton tir tranquillement, mais votre personnage va le rater. Même en faisant un tir quasi parfait. Et ça, encore une fois, c'est une chose qu'il faut zapper, ça. Si jamais on peut défoncer le jeu, on doit défoncer le jeu, je veux dire. Le but du mode carrière, c'est d'essayer de faire en sorte que notre joueur devienne de plus en plus bon pour au final devenir une légende, entre guillemets. Parce que ça a toujours été ça, les modes carrière des NBA 2K. Et d'ailleurs, le mode carrière de ce NBA 2K... Hop là, ça rentre, ça. Mais vous voyez, ça c'est impressionnant. J'ai pas fait un tir parfait, d'accord, mais il était pas pourri. Et il y avait personne, il y avait tout. Regardez la transition d'attaque complètement foireuse où l'IA prend les joueurs sur lesquels je défends et du coup laisse complètement les autres joueurs sans défenseur. Encore une fois, c'est agaçant. Ce jeu est très plaisant à jouer. Mais c'est des petits détails comme ça que l'on voit qui peuvent être vraiment très énervants et qui peuvent casser complètement l'intérêt que l'on a dans un jeu. Je peux vous dire, quand vous voyez, quand vous sentez que le jeu a décidé de vous faire perdre un match, là ça part en cacahuète mais total quoi. Je veux dire, c'est inintéressant au possible. Ça devient vraiment inintéressant. Enfin bon, ceci étant dit, qu'est-ce que ce mode carrière a de particulier ? Eh ben, ils ont tenté de faire un espèce de mode histoire, entre guillemets. Sur le papier, c'est pas mal. Sur le papier, c'est pas mal. Ça aurait pu donner des choses vraiment intéressantes. Mais dans la pratique, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Dans la pratique, c'est... Je dirais pas catastrophique, mais on n'en est pas loin. On n'en est vraiment pas loin, les gars. Que je vous explique. Durant ce petit temps mort, ils ont voulu faire un espèce de petit scénario montrant l'évolution qu'il peut y avoir quand on devient un grand joueur de basket. Donc on commence par exemple à l'école, entre guillemets en sport-études, pour que vous puissiez comprendre. Suite à cela, si jamais on est très bien reconnu, on va ensuite faire des matchs d'université pour pouvoir ensuite intégrer une équipe de NBA. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que mine de rien, c'est beaucoup mieux que comme par exemple NBA 2K13 qui vous faisait commencer directement dans une équipe de NBA sans même prendre le temps de développer un petit peu votre joueur, ne serait-ce qu'au niveau de ses aptitudes. Quand il commence, bref, de vous faire incarner réellement un rookie. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'était pas le cas dans NBA 2K13. Là, cette fois-ci, ils sont revenus
aux fondamentaux. Donc ça, c'est vraiment très bien. On commence en match en université, puis ensuite, etc., etc., jusqu'à ce que l'on puisse signer un contrat. Cependant, ce petit scénario-là, eh ben, il a de très très gros problèmes majeurs. Et je tiens à vous dire une chose, un truc qui m'a fait hurler de rire, entre guillemets, ce jeu, enfin, ce mode scénario est complètement raciste. Ouais, ouais, je déconne pas. Excusez-moi, mais ce jeu, ce mode carrière est complètement raciste. Alors, pourquoi je dis ça? Eh ben, c'est simple. C'est un petit détail, hein, encore une fois, mais moi, ça m'a fait hurler de rire. Moi, vous avez vu le personnage que j'ai fait. Il ne ressemble à rien, si ce n'est à un espèce de singe dégueulasse. Parce que la modélisation en 3D est vraiment en retard. Mais il y a un truc quand même qui est fou. C'est que pour eux, pour les réalisateurs, pour ceux qui ont réalisé les cinématiques de ce mode carrière, parce qu'apparemment ils étaient vraiment fiers, hein. Je veux dire, dans le jeu, t'as un espèce de petit documentaire présentant les acteurs, utilisant à peu près la même technologie pour la morphologie 3D, si vous voulez, le motion capture qu'utilisent par exemple des gars comme David Cage. Entre parenthèses, faut arrêter les mecs, c'est complètement dégueulasse. Vous avez complètement raté cette chose-là. C'est pas le tout d'avoir un budget énorme et d'avoir des moyens énormes. Si vous ne pouvez pas les utiliser, ça ne sert à rien et le résultat sera forcément catastrophique. Et c'est exactement ce que le résultat est dans ce... Oh, passage en force, enfoiré. C'est exactement ce qu'est le résultat de cette... des cinématiques de ce mode scénario. C'est immonde. Immonde, on se croirait au début de la génération 360. Et pourtant, vous utilisez la motion capture, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, ça ne ressemble à rien. Les personnages ont un gros, gros problème de rictus, un gros problème d'animation. La morphologie des visages est tout simplement ignoble. Et la chose qui me fait penser que ce jeu est raciste, entre guillemets, enfin, raciste est un bien grand mot, mais disons qu'il est ultra cliché, voilà. Il est ultra cliché. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo, à savoir le héros. Le héros, le personnage qu'il y avait dans la cinématique d'introduction. Vous avez vu la tête qu'il a. Eh ben, je vous donne dans le mille, les scénaristes étaient persuadés, je pense, que tout le monde allait choisir, allait créer un avatar. Les gens vont pas du tout comprendre ce que je vais dire. Les abrutis vont penser des choses dégueulasses. Mais les scénaristes étaient persuadés que les mecs allaient choisir créer des joueurs de morphologie afro-américaine. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est simple. Déjà, la morphologie du personnage que l'on crée, ça, je veux dire, ça se voit. Ne prenez pas mal ce que je dis, mais bon, c'est un fait, hein, c'est biologique, donc moi je n'y peux rien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes con. Mais il y a ça. Il y a également le mode histoire qui fait rentrer, si vous voulez, dans le mode histoire, on voit la progression de nos joueurs, mais on voit également les relations familiales. Donc il y a notre sœur entre guillemets jumelle, il y a notre sœur jumelle, il y a notre mère, il y a notre père, il y a notre meilleur ami. Et si vous voulez, moi ça m'a grandement dérangé de voir, enfin dérangé, c'est un bien grand mot, encore une fois, moi ça m'a plus fait rire qu'autre chose, mais je me suis dit putain les mecs ils osent vraiment tout. Ça m'a dérangé de voir que mon personnage est blanc. Et que ma mère, mon père et ma sœur jumelle sont noires. Y a rien qui vous choque, je veux dire. Je dis, sans déconner, les mecs. Donc, dans la tête des scénaristes, c'est quoi? Y a que les noirs qui sont des basketteurs? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux dire, sans déconner, la prochaine fois, abstenez-vous. Abstenez-vous. Ou alors, faites en sorte de réellement... donner des possibilités, parce que là, moi j'ai vu ça, j'en pouvais plus, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cliché à deux balles? Nowitzki, il est noir, trou de balle? Est-ce que c'est un afro-américain, Nowitzki?
Je veux dire, Larry Bird, c'était un Afro-Américain. Je veux dire, les Blancs n'ont pas de place. Je veux dire, non mais sans déconner, quoi. Je veux dire, c'est un détail, encore une fois, mais c'est un détail qui saute tellement aux yeux, ça devient ridicule, quoi. Et puis, je vous cache pas les clichés de langage, les clichés... tous les clichés de la superstar de NBA. Le pognon qui vole à flot, ce genre de choses. Les gens qui veulent profiter de toi, etc. Alors que c'est complètement con. Parce que si on regarde bien ce qu'ils ont voulu faire sur le... comment dire, sur le papier, c'était bien pensé dans l'idée. C'était bien pensé. Essayer de faire en sorte de nous faire vivre comment cela se passe, une montée en puissance dans la NBA. C'était entre guillemets pas trop mal. Le problème, c'est que ce jeu a omis une chose, c'est les choix. On ne peut faire aucun choix dans notre mode carrière. Pour ce qui est tout autour, si vous voulez. Parce qu'il va y avoir pas mal d'événements, il va y avoir pas mal de choses qui vont essayer de bouger. Autant vous dire encore une fois, c'est lamentable. Vraiment. C'est vraiment lamentable. C'est raté. C'est raté. Le scénariste, franchement, virez-le. C'est n'importe quoi. Un élève de CM1 fait mieux. Un élève de CM1 t'écrit une bien meilleure histoire que l'histoire de ce NBA 2K16. C'est une catastrophe. C'est même plus du nanar. Parce que le nanar, à la limite, ça peut te faire rigoler, tu vois. Le nanar, c'est ça. C'est un truc, c'est tellement ridicule qu'au final, t'en rigoles. Mais là, ce n'est pas du nanar. Là, t'as vraiment un gros sentiment de gêne. Vraiment de gêne quand tu vois les cinématiques. Parce que dans ta tête, tu te dis, ils ont vraiment voulu faire quelque chose de bien. Et d'ailleurs, ils sont tellement fiers, encore une fois, que une fois le mode histoire, entre guillemets, terminé, tu vois les acteurs et tout ça qui font « Ah, j'espère que vous avez adoré notre truc, on s'y est mis à fond pour le faire et tout ça. » Et là, t'es là, tu fais « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes fiers d'avoir réalisé ça ? Eh, faut arrêter, hein, c'est n'importe quoi, les gars. Mais enfin, bon. Je pense qu'au final, moi, je vous ai tout dit sur ce NBA 2K16. Globalement, ça reste encore une fois un très bon jeu. Vraiment un très bon jeu. Ce que je vous ai dit en défaut, le seul véritable gros défaut qu'il y a, c'est le problème d'IA. Pour ce qui est des attributs de l'évolution de votre personnage, c'est toujours fait de façon classique. Autrement dit, vous faites des matchs qui vont vous faire gagner des points de compétences. Ces points de compétences vont pouvoir être attribués dans différentes classes, comme rebondeur, meneur de jeu, athlète, ce genre de choses. Chaque classe font augmenter certaines capacités, comme les shoots à 3 points, la détente, la défense, etc., etc. Donc cela reste classique. Néanmoins, il y a quand même un gros effort qui a été fait sur le contenu personnalisable de ce jeu. Et ça, ça c'est quand même pas trop mal. Comme par exemple, on va passer le match, je vais vous montrer ça. Ah, simuler jusqu'à la fin. Si jamais vous simulez le match, voilà, vous ne gagnez pas de points de compétence. Mais enfin bon, c'est pas trop grave ça, à la limite on s'en fout. Donc on va passer ça. Mais il y a quelque chose de vraiment sympa que je voulais vous présenter. C'est que dans leur logique de vouloir coller entre guillemets à la réalité, eh ben, ils ont ajouté certaines choses qui, encore une fois, sont vraiment très intéressantes pour le coup. Ça peut nous faire gagner en réputation par rapport aux fans. Ça peut nous faire gagner également en points de compétence. Également en argent, qui est transformé évidemment en points de compétence. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, par exemple, ça c'est le terrain dans lequel vous pouvez vous balader éventuellement pour faire des petits tirs comme ça. Ça ne sert à rien ici, c'est juste pour faire joli. Sachez que le terrain noir là, tout ça, on n'a pas du tout ce terrain là au départ. Ça, c'est moi qui l'ai choisi. C'est un truc qui est plutôt sympa. Pareil pour les murs, pareil pour le panneau, pour le filet, pour l'anneau. Je dirais les Los Angeles Lakers, la couleur du ballon. Et en fait, ça, ce terrain, il sert uniquement pour le mode en ligne. C'est-à-dire que si jamais... bien le bonjour, Padawan 13. C'est-à-dire que si jamais...
vous voulez faire un match en ligne, vous avez, entre amis, vous avez la possibilité de jouer sur votre terrain. C'est-à-dire, on peut, par exemple, si jamais vous avez envie de faire un match avec moi, eh ben, on peut faire un match sur ce terrain-là. Chose qui est vraiment sympathique, c'est vraiment pas mal. Et il y a énormément de choses disponibles pour la personnalisation, que ce soit de notre terrain, et également pour l'animation de notre joueur, par exemple, comment il fait ses lancers francs, les dunks, comment il fait, comment il tire les tirs normaux, les tirs à 3 points, la célébration des tirs à 3 points, etc., etc. Donc, c'est vraiment, ils ont fait un bon travail là-dessus. Donc, la chose que je voulais vous montrer, on va aller dans suivant. Merde, j'ai encore un match. J'ai encore un match. Bah, écoutez. Moi, j'aimerais bien le passer, ça. J'aimerais bien passer ce match. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Parce que j'ai un jour de repos après. Y, X... Ah, putain, comment je fais pour simuler ce match? Ah putain, je me souviens plus. Bon, écoutez, tant pis, on va essayer de le jouer. Voilà. On va le jouer, on va le passer rapidement pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de journée où il y a un match à effectuer, encore une fois, c'est un ajout qui est vraiment sympa. Ce n'est pas tout simplement un jour de repos qui est basé comme ça et hop, on passe au prochain match. Encore une fois, comme dans tous les autres NBA 2K. Non, cette fois-ci, ils ont ajouté certaines fonctionnalités qui vont vous permettre soit d'améliorer votre entente avec l'équipe, soit d'améliorer votre entente avec vos fans, ou alors vous pouvez faire des contrats publicitaires pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent, donc des points de compétence. Vous pouvez également faire un entraînement. Un entraînement qui va vous faire gagner des bonus temporaires pour le match qui suit. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc on va continuer, on va essayer de faire passer ça rapidement pour que je puisse vous montrer tout ça. Mais c'est un ajout qui est vraiment cool. Ça ajoute un intérêt, si vous voulez. Ça ajoute un intérêt au jour de repos. Et ça, encore une fois, c'est vraiment un bon ajout. C'est vraiment génial. Ok, allez mon gars, fais l'entre-deux. Après, on va bientôt s'arrêter là de toute façon. Donc voilà, on va quitter. Simuler jusqu'à la fin, ça c'est fait. Merci. Palmarès débloqué. Mais de quoi tu me parles? J'ai rien fait. Les palmarès aussi, des fois on fait des choses, c'est marqué palmarès débloqué en bas. J'ai pas vraiment compris à quoi ça servait, mais enfin bon, peut-être des bonus, mais mine de rien. Ah oui, la bande son, c'est vrai que je vous ai pas parlé de la bande son. Bah écoutez, pour ma part, ni plus ni moins, encore une fois, bordel, quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut un petit peu de hard rock et de métal dans des introductions de basket? Je veux dire, ça aurait pu être génial, mais non, c'est toujours de la pop, du rap à deux balles. Cependant, il y a quand même pas mal de bonnes musiques qui sont présentes, notamment, des musiques présentes dans les anciens NBA 2K, et ça c'est tout simplement génial. Il y a notamment celle-là que je trouve excellentissime, je vous laisse écouter vite fait. I won't bow down to no man. Voilà, donc ça c'est tout simplement une musique qui était présente dans NBA 2K11, je me souviens de ça, et pour tout vous dire, c'était tout simplement une musique que j'adore, et surtout dans NBA 2K11, parce que des fois elle se jouait par exemple pendant vos moments forts. Quand on voit, par exemple, si jamais vous êtes l'homme du match, on voit les meilleures actions que vous avez faites, et quand vous voyez tous les ralentis avec cette musique, c'était vraiment génial. Et ça, c'est une des subtilités de ce NBA 2K16. Si jamais, grâce à vos jours de repos, vous avez par exemple eu un très bon entretien avec votre PDG, il va vous donner la possibilité de choisir les musiques ou les sons qui peuvent se jouer quand vous jouez à domicile, concernant votre joueur, évidemment. Comme par exemple la musique d'intro,
Moi, c'est la musique que vous venez d'écouter. Ça, c'est la musique d'intro que j'ai choisie avant chaque match. Quand on fait un dunk, qu'est-ce que moi j'avais mis moi quand on fait un dunk? Ah bah, je crois que j'avais rien mis. Oh, j'avais rien mis, dis donc. Bah, moi, je voulais équiper celui-là. Écoutez ça. À chaque fois qu'on fait un dunk, on entend ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça tout simplement génial. Les 3 points, je crois que j'ai mis la petite pièce de Mario. Écoutez-moi ça. Ah, c'est excellent, excellent. Il y a de très bonnes choses. Quand j'arrive à piquer la balle d'un de mes adversaires, on entend ça. Non, je veux dire, il y a vraiment des bons trucs. Pareil, quand j'arrive à faire un putain de contre magnifique de chez les hannetons. Moi, je trouve ça génial. C'est un détail, encore une fois, mais c'est un détail que moi, j'adore. Donc, là, on est dans un jour de repos. Ah non, merde, il m'a simulé jusqu'au prochain match, ce con. Ah, putain, quel con. Bon, bah, tant pis. Bah, écoutez, sachez que pendant les jours de repos, on a la possibilité, comme vous pouvez le voir en haut, même si c'est un petit peu noir, de faire un contrat publicitaire. Donc, ça, c'est marqué à droite. De faire un entraînement en direct, et ça, les entraînements sont vraiment excellents, parce que c'est comme à l'entraînement, on fait des petits ateliers, on a quelques petits mini-jeux à faire qui vont nous donner encore une fois des bonus pour les matchs d'après. On peut passer du temps avec les fans pour avoir encore plus de fans, ou alors passer du temps avec l'équipe pour que l'entente dans l'équipe soit bien meilleure. Donc là, on va jouer. On a également la possibilité de choisir la couleur de notre maillot. Donc ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, vu qu'on est aux Sixers, eh ben moi, je vais prendre le maillot que je préfère chez les Sixers. C'est celui-là. C'est celui de l'époque, hein, je crois. Excusez-moi. Celui-là, je crois que c'est le maillot de la génération 90. Hein. Vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Hein. Il y avait les mêmes maillots dans NBA Live 2000. Enfin bon, je crois qu'au final, je vous ai tout dit. Donc, ma conclusion sur ce NBA 2K 16, eh ben écoutez, vraiment bon. Vraiment bon. Il y a vraiment du progrès qui a été fait. Si jamais, la prochaine fois, vous supprimez complètement le mode scénario, ou alors, vous en faites un, mais essayez de le rendre intéressant, ce mode scénario, pour que l'on puisse être réellement intéressé par l'évolution de notre joueur, proposer des choix, par exemple, et ça peut être excellent. Le fait que l'on puisse choisir la voie vers laquelle va se diriger notre joueur, ça peut être bien, et je parle bien de choix important, non pas uniquement du choix, bah tiens, je vais aller dans quelle équipe et dans quelle équipe, parce que ces choix-là sont présents, mais au final, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est vraiment plus intéressant de pouvoir choisir, bah tiens, j'ai envie de zapper cette personne, tiens, j'ai envie d'écouter mon coach, tiens, j'ai envie d'écouter mon PDG, etc., etc. Parce qu'il y avait vraiment moyen de faire ces trucs-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Feignantise. C'est de la feignantise, les gars. Mais enfin bon, après il y a également, comme vous pouvez le voir, l'introduction dans les matchs, c'est vraiment très bon, ils ont fait vraiment un très très bon boulot, je veux dire sur la mise en scène et tout ça, c'est très bien fait, ça, c'est le spectacle, c'est parfait. Ensuite, encore une fois, le seul gros bémol que l'on peut dire, citer pour ce jeu, c'est l'IA. Voilà, l'IA qui est encore une fois aux fraises, et c'est une chose qui est vraiment vraiment dommage, et j'espère, tiens, tenez, regardez, je vous laisse avec l'ambiance, tiens. Right in the middle, standing 6'1", number 8, Jaleel Okafor.
Voilà, vous pouvez voir, c'est pas trop mal. Il y a un très bon effort de mise en scène, c'est vraiment sympa. Mais enfin bon, voilà, au final, voici mon verdict. Eh ben, NBA 2K16 améliore beaucoup plus de choses qu'au final qu'il ne régresse. A l'inverse de NBA 2K15, qui lui, pour ma part, était vraiment... Bah, pas tip-top, hein, quand tu veux... Enfin, au niveau... il régressait beaucoup plus de points qu'il n'en améliorait. Et là, pour le coup, bah, ce NBA 2K16, c'est l'inverse. Un petit peu plus de fun, 2-3 petits ajouts de création qui sont vraiment très sympas. Le mode scénario qui est quand même catastrophique, la modélisation des personnages sur le terrain est très bonne, dans le mode scénario c'est une catastrophe. L'animation également c'est une catastrophe, sauf sur le terrain c'est très bien. Mais au final voilà. Donc voici ma note pour ce NBA 2K16, pour ma part il vaut un très bon 17 sur 20. Sur ce, je vous laisse avec 2-3 minutes de gameplay. Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye. And Roten drops them both. Over the 76ers, the last game, a win against Milwaukee. They just looked stable pretty much from the get-go, guys. I mean, sometimes you'll see some inconsistencies come up in a road game that you don't see at home, but not the case in that one. Tremendous balance on display, Greg. I mean, when you look at who was carrying the scoring load, making assists, playing unselfishly, I mean, they had it all working, and that led to the nice road win. Here's Mills. Here's Duncan. And the shot is long. San Antonio on defense. They defeated the Wizards in their last game. And if you look at the numbers, guys, I mean, what jumps out at you is the balance they had offensively. Very satisfying road win because you're right. There was tremendous balance displayed. I mean, the crowd was basically stunned at how they were able to dismantle that defense. And he came off that screen and the D just didn't get over the top of it. Yep, weren't there in time enough to challenge, Greg. And when that's the case, you can mark those up for him. Ginobili can't hit. Here's Roten. An 11-point game for him in the win against the Bucks in Milwaukee. Here's Landry. And he banks in the layup. Oh, that is just weak defense there. I'm pretty sure that was not the plan to give him those kind of baskets at the hoop. Aldridge is screened. And Mills kicks to Aldridge. Nails it from the high post. That's just run-of-the-mill for him. A typical day at the office. He's one of the more skilled offensive players out there. And a wide-open look for Freak. Offline with his three. The Spurs have gone 2-for-4 from the field so far today. It's blocked. Goes back up.